Bienvenue à une nouvelle leçon de vocabulaire qui s'intitule la polysémie. Exemple. La souris de mon ordinateur est en panne. Ce que je préfère dans le gigot d'agneau, c'est la souris. Les chercheurs utilisent des souris blanches pour faire des recherches. Alors, comme vous voyez dans ces trois exemples, on remarque que le mot souris se répète. Dans l'exemple 1, souris veut dire une périphérique pour ordinateur. Dans l'exemple 2, souris veut dire une partie du gigot. Dans l'exemple 3, souris désigne un animal. Alors, le mot souris a plusieurs sens. On l'appelle un mot polysémique. Et c'est le contexte qui aide à trouver le sens convenable. Alors, prendre aussi est un verbe polysémique, c'est-à-dire il a plusieurs sens. Prendre un repas, c'est manger. Prendre rendez-vous, c'est fixer. Prendre un verre, c'est boire. Prendre un voleur, c'est capturer. Prendre l'âge, c'est vieillir. Prendre pour, c'est confondre. Prendre des renseignements, c'est informer. Et il existe, bien sûr, plusieurs verbes dont le sens varie selon le contexte et on les appelle des verbes polysémiques. Alors j'espère que vous avez compris la leçon.